Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, merci d'avoir choisi Télé-Tchad. Le comité de gestion de crise sanitaire s'est réuni ce jeudi au palais présidentiel sous la houlette du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. La rencontre qui a dressé un bilan de la situation sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 a débouché sur plusieurs mesures. Dibrino Alouali. Que reste-t-il du coronavirus dans l'esprit des Tchadiens? Une menace révolue pour certains, une affaire ancienne pour d'autres. À mesure que le relâchement généralisé s'installe, l'inquiétude grandit au plus haut sommet de l'État. C'est à la lumière de cette préoccupation que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, presque un mois après avoir passé la main, a convoqué ce jeudi les membres du comité de gestion des crises sanitaires. La situation épidémiologique dressée par le coordonnateur national de la riposte sanitaire et le ministre en charge de la santé, Dr Abdoulaye Sabrou Fadoul, montre une maîtrise de la situation. Globalement, dans la plupart de nos provinces, la situation est maîtrisée. La pandémie est stable, sauf dans les Charibagirmi et particulièrement à Koudaloua où nous avons identifié un foyer d'infection et avec la mobilisation de tout le monde, la contamination a été circonscrite dans cette zone et la situation est totalement sous contrôle jusqu'à ces jours. La stabilité de la situation ne satisfait pas le président de la République qui a pointé du doigt la responsabilité du comité au regard de l'inobservation des mesures barrières par la population. Lors de cette rencontre, le maréchal du Tchad a remonté les bretelles, je dirais, des membres du comité, leur rappelant que le virus continue de circuler. Et nous ne devons pas, par notre attitude, donner l'impression à nos concitoyens que la pandémie est derrière nous. D'intensifier la sensibilisation pour faire passer un message clair à nos compatriotes que le relâchement qui est aujourd'hui constaté avec certains comportements incompatibles avec une situation pandémique, que ces relâchements peuvent emporter des graves conséquences sanitaires comme nous les avons connues il y a seulement quelques jours. Les membres du comité de gestion des crises sanitaires ressortent de cette réunion avec plusieurs instructions du maréchal du Tchad, dont celle de renouer avec les réunions tous les mercredis. Idem pour les différents sous-comités appelés à reprendre leurs activités. De leur travail sont attendues des campagnes de sensibilisation accrues et des contrôles stricts pour ne pas que les Tchadiens soient à la merci d'une deuxième vague de la COVID-19 qui risque d'être dramatique. Au palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont adopté le projet de résolution portant délocalisation de l'hémicycle à la grande salle de banquet. Le transfert permettra à la représentation nationale de disposer d'un cadre approprié pour la cérémonie d'élévation du président de la République à la dignité de maréchal du Tchad. Et c'est à l'issue d'une séance dirigée par le président de l'Assemblée nationale. Compte rendu, Doba Robert. 11 août 2020, c'est la date choisie par la représentation nationale pour élever le président de la République, chef de l'État Idriss Déby Itno, à la dignité de maréchal du Tchad. Plusieurs personnalités seront à cet effet invitées. L'hémicycle n'étant pas approprié pour l'événement, les élus du peuple suggèrent transférer la cérémonie dans la grande salle de banquet. L'acte portant délocalisation de l'hémicycle a été entériné à travers l'adoption du projet de résolution par les élus du peuple. Considérant que l'Assemblée nationale organise la cérémonie officielle d'élévation à la dignité du maréchal du Tchad, du général d'armée Idriss Déby Itno, en cette troisième séance plénière, considérant que la configuration de l'hémicycle n'est pas appropriée à l'organisation de la dite cérémonie, l'Assemblée nationale, réunie en sa deuxième séance plénière du 6 août 2020, de la première session extraordinaire 2020, a délibéré et adopté la résolution dans la teneur suivante. Article 1er. Est transféré dans la salle de banquet de l'Assemblée nationale pour la troisième séance
plénière de la première session extraordinaire 2020, l'hémicycle. Article 2. À l'issue de la levée de la troisième séance plénière, les autres séances reprennent au sein de l'hémicycle. Si dans la grande salle des banquets, tout est fin prêt pour accueillir l'ordre du jour. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Le podium en bois a été démoli pour être remplacé en béton armé revêtu de marbre. Des nouvelles moquettes et des chaises sont disposées. Sur le mur se dresse un écran géant qui doit servir de support de communication pour retracer la vie et le parcours du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. C'est une cérémonie, une manifestation, une cérémonie historique. Et donc, il faut se donner toutes les conditions pour que cette cérémonie soit à la hauteur, vraiment de souhaits, à la hauteur de l'événement. Et donc, nous sommes venus constater également de visu l'avancement des travaux, de l'aménagement de la salle des banquets. Et nous sommes vraiment satisfaits par ce que nous avons fait en un temps record. La salle a été vraiment transformée et mise dans des conditions, dans les normes pour recevoir un tel événement. Et donc, je ne fais que me féliciter de cela. Une fois la cérémonie achevée, les travaux de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale 2020 reprendront au sein de l'hémicycle afin de permettre aux parlementaires de plancher sur d'autres points inscrits à l'ordre du jour. Les rencontres de concertation entre les élus consulaires et les membres du gouvernement en vue de perspectives meilleures de l'économie tchadienne se poursuit. La plateforme Convergence économique a reçu hier après-midi le ministre de l'Élevage et des Productions animales et sa collègue de l'aménagement du territoire, du développement, de l'habitat et de l'urbanisme. Le renforcement du partenariat public-privé était au centre des échanges. Reportage d'Amgué Joël. Fort d'une superficie de 1 284 000 km² et de plus de 190 millions de têtes de bétail, toutes espèces confondues, le Tchad est un Eldorado à valoriser. Pour le renforcement du partenariat public-privé, la ministre de l'Aménagement du Territoire, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme, Amina Emir Tornan, et son collègue de l'élevage et de production animale, Amat Mahamad Bachir, ont échangé avec les élus consulaires réunis au sein de la plateforme Convergence économique. Ce rendez-vous avec les deux membres du gouvernement est un motif de satisfaction pour ces élus consulaires. Vous êtes venus au contact des opérateurs économiques. Comme le veut la politique gouvernementale qui a mis le développement du secteur privé au centre de sa préoccupation et on demande à ce que le secteur privé puisse également jouer un rôle dans le développement de ce pays. Pour le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Amat Mahamad Bachir, les investissements colossaux du gouvernement dans le but de faire de ce secteur un levier de l'émergence du Tchad nécessitent l'implication active des hommes d'affaires tchadiens. Il les invite à valoriser les différentes filiales de l'élevage à travers la création des industries. Comme tout investissement ne peut se faire que dans un environnement sécurisé, la chef du département de l'aménagement du territoire rassure les élus consulaires que son institution est à pied d'œuvre pour la rédaction d'un code foncier afin d'éviter les conflits domaniaux. La ministre devait ensuite exprimer ses attentes. Il y a donc bien un schéma national et la première chose dans laquelle je veux m'y atteler, c'est les décrets d'application et tous les textes qui vont permettre d'avoir accès à ces espaces-là qui sont dédiés aux activités économiques et de prévoir donc la procédure d'accès à ces terres-là. Parce que c'est ce qui manque en fait. Parce qu'une fois que ça serait bien précisé, il sera certainement prévoir des coûts différents lorsqu'il s'agit d'un investissement industriel que d'un investissement d'habitation. Prenant bonne note des préoccupations des élus consulaires, les deux membres du gouvernement ont réitéré leur disponibilité à collaborer avec la CCMA pour un partenariat public-privé orienté vers le développement du Tchad.
Avant de boucler cette édition, sachez que Télé-Tchad apporte quelques aménagements dans son programme des actualités. À partir de ce lundi 10 août, vous aurez sur vos petits écrans le journal des provinces bilingues et cela tous les lundis, mercredi et samedi à partir de 18h. Aussi, dans la même foulée, le Flash Info, c'est désormais tous les jours à 13h30 et 16h en duo en français et en arabe. Merci de nous faire confiance. Car votre satisfaction restera notre souci permanent. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce Flash Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Télé-Tchad. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Prenez bien soin de vous et à demain.